Non. Gede kozem vin explique ou la wap sezi tan de jen mod lan presque fini. La Chine campé en zopleding, les États-Unis campé en 4-4-2. T'assemblée Taïwan ak Ukraine pral leve bagay la, jan pil nan nou pat souwete la. Si n te gen chance passe, mote tête nous dans le passé, yo ta mande nou est-ce que n ta souhaité vivre 3e guerre mondiale? Probablement chaque moun ta répond non. Parce que conséquence yo pral du en pile, c'est là dans la coupe pays d'Haïti. Inquiétude la chita plus, parce que plusieurs citoyens red quoi. Si les États-Unis ta non combat tout bon vrai, côté que la caille li vin instable, c'est la caille nou y a vin envahi. Pendant ce temps, bay tête nous problème comme ça, ou pral saisi tande. Comment la Chine campé en zopleding et monsieur a décidé di ça qui a accru à Taïwan nan yo gen pou yo prendre ça tant qu'on grain sel. Madame monsieur, information ça yo pas vraiment du trop facile pour tenter, mais sincèrement m'a prend courage m'a Debram pour me voir tout détail de ça qui a passé la Chine. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous est-ce que n'a kembe m'a pas de bonne nouvelle même soit pral tande là, c'est pas des histoires imaginaires. Mais c'est ça qui a passé même en dans la Croatie. Là, dans le continent, ça a bagaille a commencé à mélanger. Mesdames, messieurs, une nouvelle vidéo publiée par PLA. C'est un plus gros mouvement d'exercice militaire, maritime ou bien marine de Chine. Mesdames, messieurs, la Chine explique yo pas suspend fait mouvement puisque l'administration là campé en zone plein dégâts. Un garçon pas campé, un roulem de bord pour montrer qu'il y a une sécurité qui a fait. Dans ce qui est à quoi, mesdames, messieurs, avec l'île médiane qui existait entre la Chine et Taïwan. Vous pouvez le saisir, tant de cause ça. Pékin dit lui-même, ça qui est à quoi avec Taïwan, non, c'est la coupe liée. C'est là que vous pouvez le faire, tout petit jouet. Taïwan campé le cementé, 7 fois 77 fois. Tout autant les États-Unis d'Amérique existaient, ils campaient en zopleding du pape la Chine. Président Taïwan a dit, il paraît pour le gourmet. Déclaration ça, vous attendez là, c'est bagaille qui est capable de bouleverser le monde. L'ensemble, qui ça la Chine représente comme puissance militaire, jeune exa au campé, action exa au capoté, ou pour le saisir tenter. Information, mesdames, messieurs, le 8 août, la Chine a montré des images de l'exercice PLA au cours duquel une opération d'atterrissage a été simulée, mesdames, messieurs, en direction de Taïwan. Qui ça veut dire? Plusieurs bateaux, puisque 48 avions de guerre survolaient, mesdames, messieurs, la mer de Taïwan pour montrer que yo capable camper en zone plein dingue. Il faut dire, il y avait également des équipages de chars amphibies ZLT-05 clan. Et bien, mesdames, messieurs, il y a plusieurs équipements que la Chine gagne pour montrer que bagay yo capable différent. En pile détail pour aller tomber. Là même, pendant qu'il a passé misère, n'a profité du où. La Chine décide, mesdames, messieurs, camper en zopleding, camper en aigled. En pile gros détail a tombé. Ma profite di ou, mesdames, messieurs, en pile pays dans le monde a commencé à dire tête yo bouleversé. La bataille rouennaise, monsieur Sayo dit, puisque la Chine campé a montré un paquet d'exercices qui a fait, yo même dit pour montrer que au café qui choy. Hier il était presque, mesdames, messieurs, entre 3h PM, le côté de l'armée taïwanaise, ou l'armée taïwanaise là, ils ont décidé d'organiser plusieurs séances d'entraînement. Côté que, mesdames, messieurs, ils ont tiré en pile, fait en pile mouvement pour faire, surtout dans la ville Fingang. Côté que, ils ont plus passé 38 obusiers et de 155 mm. Eh bien, tout gros bout de tonton, missile ça yo,
ou bien l'OTAN dans langage haïtien nan de konre le boulette sa yo yo te tiré, mesdames messieurs, c'était des tirs à balles réelles dans mer dans la mer Taïwan qui tap qui fait à l'intérieur de ligne médiane j'ai comme te montré nous déjà de quatre côté Taïwan te gagné à yo division de ligne médiane par là. L'autre petit bagaille que vous devez comprendre, mesdames, messieurs, pendant la Chine a montré que il est capable, mesdames, messieurs, barrer pays Taïwan en s'éclairant à travers, mes frères et sœurs, les 6 bateaux de guerre, surtout que l'entourer Taïwan, pas oublier de dire nous, entre les grands pays, il y a un espace qui est vraiment important pour chaque pays, ça y est. C'est ça qui vient à quoi, mes frères et sœurs, amis. Donc, il y a la mer, il y a de l'eau. Et madame, bien l'homme a gagné terre là et puis gagné espace à rien. Hein? Donc tout espace ça yo, yo important pour quel que soit pays qui a émergé. Moi dis ça assez souvent. La Chine a mal choisi le moment pour qu'il y ait cette guerre, pour qu'il y ait cette invasion. M'a dit nous que la Chine était supposée tenir le meilleur moment, le moment propice. Qui ça les États-Unis d'Amérique fait intelligemment. À chaque fois, il y a possibilité pour me dire ça, m'a dit là, m'a continuer dire les États-Unis voyager la droite à gauche, de constater gagner deux forces militaires, deux forces nucléaires, deux forces intelligentes cap monter de la technologie et d'autres choses, surtout dans le monde là, il s'agit de la Russie et également la Chine. Eh bien messieurs dames, ça yo décidé, yo dit faut que yo baille chaque pays sa yo yon préoccupation qui pour retarder ou mesdames messieurs nan fait mouvement. Il s'agit mesdames messieurs, la Chine t'est entrée dans question fait zam nucléaire, c'est pas trop longtemps et monsieur sa yo l'est entré dans affaire fait zam nucléaire. Donc c'est des en pile goumen, pas oublier mesdames messieurs, gagné la Chine dans l'époque qui était considérée mesdames, messieurs, donc qui était considéré comme un espace de terre souffrante à cause que li na époque ça en pile moun était toujours à essayer prendre. En tout cas, la Chine commence ses armes nucléaires le 16 juillet 1945 sur la base aérienne d'Alamogordo. Mesdames, messieurs, c'est première bombe atomique, mesdames, messieurs, qui t'a gagné côté la Chine, t'a pas essayé montrer fait mouvement. Mais pas oublier que me dit nous tout et en pile monde pas comprendre que la Chine t'a gagné pile intérêt. Pas oublier me dit nous entre 1839 à 1949 que l'armée chinoise t'a considéré que faut que yo t'ai entré dans skek côté yo t'a entré dans fait l'obeil. Fait des armes, fait des chars, fait des missiles. Faut me dire que, mis à part de 1832 et 1949, ça, l'armée chinoise te permet que yon entre, mesdames, messieurs, dans la logique pour yon faire des armes nucléaires. Depuis les ça, la Chine concentre l'en faire des armes. Chaque année, chaque période, chaque mois, gagne des moun qui réfléchit spécialement pour ça. Les États-Unis d'Amérique, yon décide de dire, faut que yon retire focus là. Retirez-le, mesdames, messieurs, et là, vous retirez-le, eh bien, vous voyez-le, donc, yon côté qui, au fait, ben, on paquette l'autre bagaille qui pourra le permettre que y ait de activités, donc, des activités, des activités qui capables permettre qu'il avance. Donc, gros dégâts pour te. Alors, je voulais dire que la Russie, tout, yo, même, j'ai commencé par yo, et je crois que c'était en 29 août 1949, mais il y a des gens qui ont dit en 43, puisque en 43, ils ont fait un lancement de plusieurs bombes et ils ont essayé de faire mouvement. Faut que je dise que l'arsenal nucléaire russe a été commencé dans l'espace côté que. Espace l'Union soviétique. Donc Gamoun assez souvent l'aime parler nous de l'Union soviétique. Gamoun qui croit que pays ça c'est des pays qui d'Akadisa sans fondement à en époque. Mais faut que me dise
le na époque on parlait de l'Union soviétique ou bien yo te kon parler de l'Union soviétique, mesdames messieurs. Donc lui-même c'était en émergence en paquet de pays t'a fait à cette époque parce que l'Europe entré monde là te kon forme là dedans mesdames messieurs. Il était conforme et me croba ça te commencé en 1922, il était fini en 1991. Côté qu'il était un paquet de pays là-dedans et parlait de l'Union soviétique, c'était République socialisme et socialiste soviétique. Il était parlé, il était gagné URSS. OK? Donc côté c'était pays transcontinental qui et donc qui te couvre un paquet de bagaille. On m'a pour me venir avec un paquet de détails sur ça pour nous parce que ma promotion pour me banou et des détails des rien des pays qui étaient là-dedans un paquet de bagaille. Donc m'a rien pour me banou détails de ça yo et dans prochaine émission. Donc kounya André ta focus là dans ça qui gagne quoi mesdames messieurs après mesdames messieurs et détails. Mais faut me dire nous l'Union soviétique là elle était comme mission à cette époque après la deuxième guerre mondiale. C'était pour permettre que le monde n'ait pas une guerre encore. Donc, même gens, par exemple, l'ONU et l'Organisation des Nations Unies ont pas qu'être bagaille qui étaient faites. Donc, chaque continent a essayé de faire un bagaille qui vous empêcher que y ait une guerre pour empêcher que y ait une guerre. Mais pendant ce temps, il a continué à faire ça. En tout cas, la Chine, mesdames, messieurs, décide de faillir Taïwan et décide de manger Taïwan de cocon. Donc le gouvernement taïwanais a décidé malgré tout faire de graves mouvements. En tout cas, m'a quitté avec plusieurs séries de vidéos ou à regarder et obtenir tout, mais faut me dire que les armes nucléaires yo doué mesdames messieurs éliminer. Donc faut que yo sorti, faut que yo suspend. Et ça c'est mouvement qu'a fait Kounia là et dans journée mondiale pour interdiction des armes nucléaires qui passait mesdames messieurs inaperçu. Faut me dire nous et il passe inaperçu journée mondiale des armes nucléaires côté que toutes armes tout pays gouniens yo concentré yo y a fait mouvement. Donc m'a venir avec détail dans plusieurs autres émissions.台北如果下起流星雨，它的防空系统扛得住吗？在台北东北方向新北市翡翠湾旁的一座山坡上，能看到八个带掩体的导弹发射阵位和发射车。火控雷达在阵地后约100米。这里部署着台军第631飞弹营第一连，装备美制爱国者二型和爱国者三型防空导弹。爱国者二负责防空，爱国者三负责反导。台北市区南港公园的后山上部署着第631飞弹营第三连，也装备着爱国者二型和三型导弹，同样拥有八个发射阵地和发射车。制导雷达在阵地后不远的山坡上，这里距101大楼仅3公里，距松山机场4公里，是台北市中心的防空主力。在台北的正南方向，新北市新店区安一路附近的神雕营区部署着第631飞弹营第二连，也装备爱国者系列防空导弹，八座发射阵地和发射车按梯次布置在山坡上，周围密布着众多住宅区，最近的不到50米。在台北市西北方的三支石头铺部署着第611飞弹营第一连，装备台军自产的天宫防空导弹。天宫采用固定垂直发射井的阵地模式，这里的五座发射井每座有16枚导弹，全连共80枚。天宫的制导雷达部署在阵地东侧约4公里处，有效探测距离约300公里，探测角度仅120度，而且机动困难，暂时生存能力很值得怀疑。除了以上4个远程防空导弹连，在台北市区周边还有3支装备老式霍克中程防空导弹的部队。621营2连部署在新北市金山区永兴里的这座山顶上，能看到6个发射阵位。621营3连部署在新北市淡水区新市镇，这座阵地紧靠海边，扼守着淡水河口。621营5连部署在桃园机场东北侧的大谷山上，
周围有一个不小的高尔夫球场。以上这四远程、三中程，一共七个连，就是台北的防空主力了。你好，我是左叔，欢迎关注上帝视角看军事。抖音。罗曼洞，罗曼洞，喊幺八洞，喊幺八洞。包总官，左舷大船已够舰尾。加强对空中目标搜索。对象是瓦南方位，激光还不激光的往北，没错，瓦南，他们有一个相对的位态势。我们与多兵种联合构建海空一体反潜作战体系，充分发挥多平台协同作战效能，搜索的广度、深度、精度得到有效加强。
在台岛西南警巡的某驱逐舰构成联合反潜作战编组。与此同时，粤东某机场数架反潜巡逻机也接令起飞，相继抵达目标空域，与水面舰艇和舰载反潜直升机同有序展开反潜行动。反潜巡逻机投放声呐浮标，展开广域搜索，反潜直升机升空，充分发挥多平台协同作战效能，搜索的广度、深度、精度得到有效加强。数分钟后，反潜巡逻机率先发现疑似信号，编组内各反潜平台闻令而动，根据现场态势快速占据有利阵位，对可疑目标进行多元印证，确定目标位置，判明目标性质。东部战区海空军还出动歼击机、预警机等兵力，在台岛周边海域组织了侦察预警、支援掩护等行动。가겠다. 快点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